Allez, bébé, tu dois te calmer. Maman ne mord pas, rien de mauvais ne va arriver. C'est la même chose que tu as dit l'autre fois quand je suis venue. Mais tu sais ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Allez, bébé, tu étais encore à l'université. Maintenant, tu es un adulte. D'accord, ça va maintenant. Je suis calme, ok? On y va. Merci. Je t'en prie. Dois-je dire oui? Dois-je m'asseoir? Dois-je rester debout? Que dois-je faire? Bébé, allez, je te promets, tout ira bien. D'accord? Es-tu sûr de cela? Oui. Je te le promets. Je t'aime. Je t'aime aussi, ok? Je t'aime. Allez, allez, allez. 19, 20, 21, 21. Waouh! Olive! Waouh! Juste regarde-toi. Olive, tu es splendide! Je le suis. Merci, maman. Toi aussi. Tu ressembles à une jeune fille de 20 ans. Oh, allez, Olive, laisse. Oublie ça. Non, je ne peux pas tromper la nature. Bonjour, madame. Et puis, qui est ce jeune homme? Maman, ça c'est mon ami. Nous sommes venus te voir. Me voir? Oui, maman. Oh, tu nous as apporté du business, hein? Je vais écouter la conversation, hein? Quelle connerie! Je ne vous ai pas demandé de vous asseoir! Maman. Je suis désolée, madame. Tu vas être plus rapide que toi-même. Oh, maman! D'accord, assis. Assis! Merci, madame. Oh! Je suis désolée. Maman, tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Je peux clairement me rappeler qui vous êtes, Eric. Le jeune homme qui n'a pas laissé ma fille respirer. J'ai de bonnes intentions envers elle. Olivia et moi, nous nous aimons. Et elle représente mon univers. Alors, que faites-vous dans la vie? Je suis journaliste, madame, et je me débrouille avec la maison de presse. Débrouiller? Je t'ai entendu dire débrouiller? Oui, madame. Olive! Oh, écoute, la pauvreté est la seule chose qui me fait le plus peur dans ce bas monde. Et je ne pourrai jamais le souhaiter à mon ennemi, à plus forte raison, à ma et unique fille. Regarde-la, voyons. Eric ne peut pas prendre soin de toi. Tu as besoin de quelqu'un qui a beaucoup plus de moyens et du succès. Écoute, je ne suis pas du tout d'accord pour ce genre de relation à garder l'espoir. Maman, s'il te plaît, tu peux arrêter? S'il te plaît. Henri et moi, nous nous aimons très bien. C'est l'amour dont il est question, n'est-ce pas? Et en plus, l'amour est plus important que l'argent. L'argent est également important, tant bien que l'amour. Ne sois pas aveugle, ma chérie. Ne sois pas aveuglée. Désolée, madame. Désolée, madame. Oh, maman! Comment tu veux? Eric! Eric! Quoi? Eric! Quoi? Eric. Quoi? Hein? Tu lèves ta voix sur moi. Et puis, hein? Bébé, c'est de calmer. Ne me demande pas de me calmer. C'est évident que ta mère ne m'aime pas. Que je ne peux pas prendre soin de toi, n'est-ce pas? Que je n'ai pas un bon boulot. Que je ne peux pas me marier dans certaines familles. Que je suis pauvre, n'est-ce pas? Non, non.
bébé, non, ne dis pas ça. Mais tu sais, elle ne n'aura pas. Je suis ravi qu'elle m'a dévoilé ses intentions. Bébé, bébé, nous sommes ensemble dans ceci. C'est nous contre elle. Nous pouvons gagner cette bataille ensemble. Vraiment? Oui. Ça va être difficile. Qu'est-ce que ça? Paul. Paul! Qu'est-ce que ça? Ah! Les gars, votre travail d'une ici, là, vous devez faire attention pour les inconvénients. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Harry, qu'est-ce qui va pas ce matin avec toi? Ah ah! Pourquoi ne pouvez-vous pas dormir la nuit quand tout le monde dort? Ah ah! C'est parce qu'on a un travail qui paye bien. L'horloge tourne à 24 heures, ok? Et chacun sait exactement quoi faire à son heure convenue. S'il te plaît. Les gars, les derniers jeux que je viens de passer sont pleins de théâtre. Olivia. Et les gars, je souhaite que je sois son meilleur homme. Cet amour te touche et te rend dingue. Pourquoi vis-tu aussi sous pression? La vie, c'est la patience. Pas de pression. Écoute, Eric. La manière dont tu vis n'est pas bien pour toi. Ou bien tu vis comme un désespéré. Je ne suis pas désespéré, Paul. Je ne suis pas désespéré. Je voudrais être là pour la femme que j'aime. Ok, Eric, écoute-moi un peu. Aucun des hommes, prenant le pied de leur vie, ne pourrait courir après l'argent que des femmes. Mais quand vient le moment de la vie, lorsque le temps arrive pour eux de faire face à leurs responsabilités en tant qu'homme, ils courent maintenant après l'argent. Écoute, Eric, t'es un très bon ami à moi. Réveille-toi, Eric. Eric, réveille-toi. Écoute, Eric. L'argent est ce monde vent de paix. Hein? Et... oublie cette histoire de Roméo et Juliette et tout ce qui va avec. Quand tu auras ton poignon, toutes les filles viendront vers toi toutes seules. Blanche, noire, n'importe quelle. Hein? Eric, le petit déjeuner est servi. Tu dis quoi? Eric, il y a le petit déjeuner. J'en ai pas besoin. C'est quoi cette situation même? J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu réfléchis à quoi? Qu'est-ce qu'on en devient? Qu'est-ce qu'en deviennent nos plans? Tu connais à quel point le monde envie ce que nous avons? Tu ne vas pas laisser cette petite chose nous ruiner. Écoute, je ne peux plus continuer comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, je dois arrêter de faire de toi ma priorité. Hein? Je dois me faire de l'argent. Tu veux faire de l'argent ta priorité? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme dont je suis tombée amoureuse? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme qui ferait tout pour me voir sourire? L'homme que je rendais heureux. Olivia. L'amour s'éteint quand il ne conduit pas au résultat escompté. J'ai besoin de me faire de l'argent. Oui, je vais aller gagner de l'argent et je reviens t'épouser si tu es toujours célibataire. Au cas contraire, j'utiliserai l'argent pour... acheter l'amour? Tu penses que l'argent peut acheter l'amour? L'argent peut tout acheter.
même la conscience humaine. Eric. Eric, s'il te plaît. S'il te plaît. Je peux tout accepter. Je te présente les excuses pour ma mère. S'il te plaît, pardonne-lui. Écoute, ceci nous concerne. D'accord? Nous pouvons faire que ça marche ensemble. Nous pouvons trouver notre propre bonheur. Tout ce que tu aimes me suffit. Ok, nous pouvons gérer. Bébé, je t'aime. S'il te plaît, fais-le pour moi. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est juste de cette façon-là que Kevin les aime. Parce que je pense que j'en ai terminé. D'accord, madame. Ok, merci, chérie. Olive? Oui, maman. Il y a ce mon partenaire d'affaires que je voudrais que tu rencontres. Qu'est-ce que tu viens juste de dire? Il s'appelle Barry. Bien qu'il soit dans cette tournée, mais je sais qu'il va prendre grand soin de toi. Tu plaisantes? Bien, je lui ai dit que tu étais célibataire. Tu as fait quoi? Le suis-je? Bien sûr que tu l'es, tu le sais, tu es célibataire. Ou alors, est-ce que ton pauvre journaliste là, est-ce qu'il t'a demandé la main? De toute façon, même s'il l'a fait, je sais que Barry va annuler sa demande. En t'achetant une nouvelle luxueuse bague de fiançailles qui vaut les millions de naira. Maman, que t'arrive-t-il? Jusqu'à quel âge vas-tu te permettre d'être esclave d'argent et des choses matérielles? Olive! Comment oses-tu me parler ainsi? Je suis ta mère. Mère. Je pensais qu'une mère était censée connaître la valeur de toutes choses, spécialement l'amour et l'affection. Tu es une déception. Mais... Eric, je te dis à maintes reprises de te concentrer sur les choses qui sont plus importantes. Vois-tu, l'amour peut attendre. Et il peut venir à n'importe quel âge. Écoute, Kesta, je comprends parfaitement. Je comprends. Mais ce n'est pas facile. C'est très difficile pour moi de la laisser partir comme ça. Mais tu le sais, non? Tu sais combien de temps il m'a fallu pour avoir Olivia? Tu sais que durant toutes mes années à l'université, je courais derrière cette fille. Maintenant, je vais la laisser partir comme ça? D'accord. Eric, je t'ai pigé. Cool. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui est plus difficile? Laisser Olivia partir? Ou convaincre sa mère que tu n'es qu'un homme affamé qui est tombé dans le journalisme juste pour survivre. Gars, je suis tellement confiant sur le moment. Je ne sais pas quoi faire. Tu es confus? Tu ne devrais pas l'être. Oh non, tu ne devrais pas l'être. Vois-tu, Eric, le temps n'est pas la mise de l'homme. C'est soit tu te battes pour garder ce que tu aimes, ou tu la laisses partir et te concentrer sur d'autres choses. Mec, la vie est très courte. Pas le temps. Je t'apporte quelque chose à boire. Arthur, c'est quoi, madame, ton problème? Je suis désolée, oui? Je suis désolée, madame. Jusqu'à quand dois-je t'apprendre ces choses? Cette fille, tu ne dois jamais... Maman, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Hein? Allez, va nettoyer le magasin. Qu'est-ce qu'il y a encore, Olive? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, ce n'est pas ton avocat stupide qui veut finir ma batterie. Barry, oh, j'espère que c'est bon.
Oh, sois gentille avec nous, s'il te plaît. Maman, c'est quoi ça? Pourquoi tu lui as donné mon numéro sans mon accord? Oh, pardon, Olive. Ne le traite pas de cette manière. Il est non bon. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Laisse-moi décider à ce sujet, ok? Et laisse-moi te rappeler au cas où tu as oublié. Je ne suis plus célibataire et ne donne plus mon numéro à un étranger. S'il essaie de m'appeler encore, s'il essaie, je vais l'insulter. Et je vais l'insulter. Maman, dis-lui de ne plus m'appeler et ne donne plus mon numéro de téléphone à un étranger. Je ne suis plus célibataire. Sache que j'ai un fiancé. Salut, chérie. Hey. Hey. Olivia. Salut. Hey, tu m'as surpris. J'ai décidé de te faire une surprise. Bien sûr, plus qu'une surprise. C'est quoi? C'est un peu de patience là. Oui, je sais. Juste relax. Elle va bientôt s'adonner là, je te rassure. Oh. Oh, Barry. Barry. Oh. Pourquoi es-tu si impatient? Ah. Abigail. 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 Oui, madame. Pourquoi faudra-t-il que ça te prenne tant de temps pour répondre à mes appels? Dois-je crier ton nom 3 fois avant que tu me répondes? Je suis désolée, madame. Que faisais-tu? Je rangeais certaines choses à la cuisine. La cuisine? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se brûle? Ma nouvelle mamie de sauce! Toi, cette stupide fille! Je ne sais pas. Je pense que tu as brisé notre promesse. Je suis désolée. La vérité est que... je ne peux pas résister devant toi. Je sais. Je crois que je t'ai obligée à le faire. Non, je n'ai pas dit ça. Bébé, écoute, ce n'est pas le moment de désigner qui est coupable, pardon. Je pense que je ne suis qu'une fille. Avec un cœur pur qui est follement amoureuse d'un homme. Oui. Je sais. Et qui vient de perdre sa virginité. Maintenant que je te l'ai donnée, vas-tu me laisser partir? Oh, bébé,
coucher avec toi n'a jamais été le problème. Alors c'est quoi le problème? L'argent? Et en ce qui concerne ma joie, pourquoi tu ne réfléchis pas à cette direction? Olivia, l'amour n'est jamais assez. Eric, rien n'est jamais assez dans ce monde. Si tu m'aimes comme tu le déclares, alors tu devrais te lever et te battre pour moi. Bats-toi pour nous. J'ai, bro. Qu'est-ce que ça? Ça, c'est 2000 naira. J'ai demandé 5000. Eric, pourquoi parles-tu comme ça? C'est tout ce que j'ai à te donner maintenant, 2000. Tu sais que c'est pas facile, mon frère. Je t'ai même pas demandé de garantie. Ah, Eric, au fait, quand est-ce que tu me rembourses mon argent? Tu sais que je travaille dur pour l'avoir, alors c'est pas facile. Tu sais, non? Rico! Ricoco! Ricoco! Tu vas voir de toutes les couleurs. Une fille a réussi à détourner mon pote. Il n'a même plus le temps de me regarder. Salut bébé. Eric. Eric, tu me fais toujours attendre. Tu sais que je n'aime pas ça et tu le fais toujours. Je sais, je suis désolé pour ça. S'il te plaît, ok? Carrefour, je vais commencer maintenant. Qu'est-ce que je dois lui dire premièrement? Quelque quoi? Que je vais le marier. À quel moment je vais procéder à ceci? Eric. Oui. Est-ce que tout va bien? Oh oui! Oui, tout va bien. Oui. Oui. Je voulais... Olivia. Olivia. Les dernières années ont été les plus exceptionnelles de ma vie. Romantique. Et je veux que cela continue pour le reste de ma vie. Donc ma demande est aussi simple qu'une demande. Veux-tu m'épouser? S'il te plaît. Eric. S'il te plaît. Oui. Non, tu celui-ci. Oui. 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 Maman. Olive. Maman. C'est quoi cette excitation? Tu n'es plus une fille de 10 ans. Bien, maman, maintenant là, j'ai l'impression que je le suis. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Divine, maman. Il m'a proposé. Waouh. Que c'est belle. Ceci.
si jolie. Je sais, maman, je t'ai dit que c'était sérieux et j'avais raison, tu vois. Hein? Je suis si heureuse que tu aies fait le bon choix. Je suis aussi heureuse, maman. Ne te gêne pas. Barry va t'accorder une attention appropriée. Barry quoi? Barry est ton fiancé, bien sûr. Jamais, maman. Eric est mon fiancé. Ne plaise au ciel. Désolée, maman. Le ciel n'est pas d'accord avec ça. J'ai fait mon choix et c'est tout. Olive, es-tu hors de tes sens? Qu'est-ce que je vais faire avec un journaliste? Maman, maman, tu oubliais que ton défunt mari est un avocat? Probablement c'est la raison pour laquelle je ne voudrais pas que tu te mettes avec quelqu'un qui fait dans ce genre de carrière. Barry est un homme d'affaires réussi. Maman, Eric est en train de prospérer et je l'aime. Oh, Olive, ne me cause pas la récadière, ne me tue pas. Maman, personne ne va te tuer. Personne ne te donnera un arrêt cardiaque. Mais j'ai fait mon choix et c'est tout. Maman, regarde. Maman, tu n'aimes pas. Maman, regarde comment c'est joli. Maman, regarde, tu n'aimes pas. Maman, regarde. Maman, tu n'aimes pas. Qu'est-ce que t'as? Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Oh bébé, ça va. En plein lundi matin? Désolé bébé, il fallait que je couvre un pot hier nuit. Il a eu une urgence et c'est pourquoi je suis paumé. C'est la raison pour laquelle tu m'as gâché le week-end, comme tu es séviable. Bébé, je suis désolé, c'était pas intentionnel. Désolé. Et c'est tout ce que tu trouves à dire. Comme mes égos sont là-bas dehors, déjà engagés, avançant dans leur relation, moi je suis ici recevant des excuses, t'es à rencontrer il y a quelques jours. Pourquoi parles-tu comme ça, non? Je t'ai dit que j'étais désolé. Désolé. N'ai-je pas été engagé avec toi? Dis-moi. N'ai-je pas été à la hauteur de tes attentes? Je t'ai amené faire du shopping, je t'ai amené à des fêtes de dîner. Je t'ai même acheté une voiture. Mais allez bébé, accorde du crédit au mec quand même. Tu es supposé m'apesantir sur ta gloire passée ou m'asseoir et applaudir des efforts que tu as toujours fait? Assez! Assez! Bébé, c'est quoi toute cette folie là? Qu'est-ce que ma folie vient du fait que tous mes égaux se marient? Même Olivia, elle s'est fiancée! Olivia a eu quoi? Eric leur demande en mariage, ils vont se marier. Eric l'a demandé en mariage? Ils vont se marier. Eric, oh mon Dieu! Par quoi est-ce qu'on va commencer aujourd'hui? Qu'est-ce qui est drôle? Je n'ai jamais vu quelqu'un fou amoureux et aussi têtu. Comme tu l'es, Eric. Maman. Pardon, permets-moi. Excusez-moi, madame. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Bien. Je ne veux pas avoir un problème de tête avec ma précieuse fille. À cause de cela, j'ai décidé de t'accepter comme mon beau-fils. Mais tu dois être capable d'accomplir tous mes désirs en me prouvant que tu peux bien prendre soin de ma fille. Oui, je le ferai, madame. En accomplissant tout ce qui est écrit sur cette liste. Premièrement,
tu dois te désengager de toute activité sexuelle ou romantique. Je veux dire, tout acte qui peut affaiblir ma fille. Deux, tu dois être capable de fournir tous les reçus, je veux dire, tous les cartes d'invitation de mariage. Le reçu pour la cuisine, du service traiteur, la salle de banquet, vêtements traditionnels très très coûteux, la robe de mariée de design, chaussures et sacs de Paris. Oui. Et tu dois te rassurer que tout ceci est prêt une semaine avant le mariage. Parce que les ministres et les gouverneurs participeront. Maman, Eric n'a pas ce genre d'argent pour gaspiller dans un mariage comme ça. Alors pourquoi se marie-t-il? Le mariage n'est pas pour les pauvres. Mon fiancé n'est pas pauvre. Un pauvre riche peut-être. Bébé, maman, bébé, arrête ça. S'il te plaît, ça va, ça va. Je vous ai entendu, madame. Est-ce qu'il y a autre chose sur la liste? Oh oui. Et toutes les autres choses sont là sur la liste. Allez, voici. Maman, Eric ne peut pas faire toutes les choses qui se trouvent dans cette liste. Maman, s'il te plaît, ceci nous concerne. Laisse-nous faire nos plans. Tu as eu ton temps. Si tu sais ce qui est mieux pour toi, hein, Eric, voudrais m'y accomplir tout ce qui est là-dedans. Autrement, tous les deux, vous agissez juste à vos gris. Bébé, bébé, ça va. Chut, c'est bon. Sais-tu combien ça m'a coûté? Pour ses pensions scolaires? Sais-tu la douleur et ce que ça vaut? Oh, crois-tu que ma fille est l'une de ces filles que l'on peut juste rencontrer dans la rue et l'acheter une bague de 50 naira et appeler ça engagement? Ça va, madame. J'ai compris tout ce que vous avez dit. Et je ferai comme c'est demandé. Ça va, ça va. Je dois prendre congé de vous, madame. Maman, je vois que tu ne veux pas que je sois heureuse. Eric peut changer d'avis à mon sujet. Eric, attends. Qu'est-ce qui t'a fait prendre une si dure décision? Écoute, j'espère que ne pas être marié n'est pas un problème. Ah. Qui est pauvre? Tes 18 000 naira et tes petits pots de vin que tu prends le prouvent bien. Écoute, Kesta, je suis un journaliste noble. Je ne prends pas de pots de vin. Alors peut-être que tu devrais commencer à les accepter. Ça, c'est mon conseil. Commence à accepter des pots de vin, Eric. Sais-tu pourquoi? Olivier est une demoiselle très classe. Et sa mère veut voir sa fille à un niveau très très élevé par rapport à toi. Quel niveau? Bam! Laissez-moi vous dire quelque chose. Olivia et moi sommes ensemble dans ceci. Et très bientôt, tout ira bien. Vraiment? Oui. Oh, ok. J'espère que tu ne viendras plus me demander de l'argent. Parce que j'aurai rien à te donner, Eric. Garde ton argent pour toi. Je n'en ai pas besoin. Fia! Oh! Gars, ça c'est un dur travail. Qu'est-ce qui est amusant avec vous? C'est drôle? Hein? Laissez-moi vous dire quelque chose. L'argent n'est pas tout. Vraiment? L'argent est c'est tout. Écoute, Eric, ne te trompe pas. L'argent, c'est la vie. Crois-moi. Monsieur l'intègre. Peu importe. Qu'est-ce que ça? Il y a quelque chose à manger?
Hein? Avez-vous quelque chose à manger? T'as faim? Oui. Ah, y a du couscous. On a du couscous, mais y a rien dans la sauce. Tu sais quoi? Donne Apollo 1000, non? Il nous fera ça avec de la viande et un peu de poisson. Pour que ça ressemble à quelque chose. 1000 lira. Ouais. Mais d'où? Oh! Oh! Eric. Mon gars va se marier. Je t'assure. Oh, j'ai encore un ici avec moi. Et pour vous autres, sera prêt d'ici dimanche. Et ce sera 45 000 naira pour trois. Bien sûr, ma fille n'est pas un produit bon marché. Voilà pourquoi son uniforme de mariage doit coûter cher. Babe, tout est coincé. Les choses sont plus chères ces jours. Je sais, d'accord. Tout est vraiment très cher. Nous devons faire très attention à la manière dont nous allons dépenser. Tout selon la liste de ta mère est d'environ 2 millions de naira. 2 millions quoi? Oui. Ça se prie que tu penses que je suis quoi? Eric, écoute. Je ne suis pas un objet d'art. Encore moins mannequin qu'on met dans les galeries. Je suis sans prix. Bébé, je sais cela. Mais écoute, je suis prêt pour le défi. Je vais relever le défi. Je ne peux pas abandonner. Je serai comme un lâche. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je vais dire, mon salaire ne peut pas tout couvrir. Et la seule personne qui peut nous aider, c'est ma mère. Non, cela n'est pas nécessaire. Mais écoute, notre espoir n'est pas perdu. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Et nous avons déjà fixé notre date de mariage. Je ne sais pas. Bébé, écoute-moi, je pense, ok? Je pense que nous pouvons peut-être le reporter ou simplement l'annuler pour l'instant. Je suis sous pression. Tu es sous pression? Oui. Vraiment? Je t'ai averti depuis le début, mais tu ne m'as pas écouté. Maintenant que tu es bloqué, tu me dis que tu es sous pression. Tu feras mieux d'avoir une bonne explication pour ma mère parce qu'elle ne va pas écouter cette histoire que tu racontes là. Que veux-tu dire? Que tu ferais mieux de te battre et trouver une solution. Parce que je refuse d'être impliqué dans cette honte que tu vas apporter à ma famille. Es-tu sérieuse? Que dois-tu faire? Aller braquer une banque? Même si tu as le faire. Vraiment? Fais-le! Maman, que signifie tout ceci? Pour l'amour de Dieu, maman. Comment tu voudrais que Eric fasse toutes ces choses en si peu de temps? C'est son devoir. Je veux dire, laisse-le faire face à la musique et bien danser avec son gandoura qui tirera pas tout seul. Maman, ne penses-tu pas que tu vas un peu loin avec tout ça? Je n'ai pas encore commencé. C'est ma fille, mon unique fille qui se marie. Et elle mérite le meilleur. Maman, tu exagères. Écoute ma chérie. Le mariage, c'est la célébration, la réjouissance, dépenser de l'argent. Et pas une journée de deuil où tu vas regretter tes dépenses financières. Maman, j'espère seulement que tu ne seras pas déçue. Tu t'amuses avec moi, Laurie. Tu nous prouves qu'il est un homme. Il devrait être capable de passer ce simple test. S'il vous plaît, madame, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas me renvoyer comme ça, madame, s'il vous plaît. Monsieur Eric, êtes-vous vraiment conscient des dommages que votre indiscipline et vos infidélités m'ont causé? Maintenant, je vous défendrai que sur quelque chose dont j'ai les preuves. Et rien d'autre, absolument rien d'autre. Madame, je vous jure, au nom de Dieu, il y a de confusion quelque part. Ce n'est pas mon rapport. Mon travail est différent de ce qu'on a publié. Monsieur Eric, peu de semaines avant, j'ai remarqué votre manque de concentration au travail. Et j'ai aussi vu la manière dont vous vous laissiez insulter pendant les heures de travail. Vous savez quoi, monsieur Eric? Je vous donne un bon moment. Non. Afin que vous alliez arracher tout ce qui vous dérange. Non, madame, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas me faire ça. Bonne journée, monsieur Eric. Mais non, madame, vous ne pouvez pas me renvoyer. Madame, pardon. Madame, s'il vous plaît. Madame.
Lady J. Oui, Na. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Ça fait vraiment longtemps. Oui, vraiment longtemps. Comment ça va? Très bien. Toujours aussi belle. Tu sais comment être avec un jeune est vraiment très dérangeant. J'ai besoin du sang frais. Oui, je sais. Alors, y a-t-il un qui est partant? Oui. Laisse-moi aller le chercher. D'accord. Mais c'est bizarre. Non, car. Cette soirée est morte, il n'y a pas de Je ne sais vraiment pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. Salut, Kesta. Salut, Paul. Oh, salut, Rena. Mais Rena, qu'est-ce qui ne va pas? Ça ressemble carrément à une mauvaise nuit. Hein? Que se passe-t-il? Tes amis ont une réunion dans une boutique ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr que non. Ok, de quoi s'agit-il? En fait, Lady J est de retour. Hein? Lady J est là. Elle est là. Mais c'est super. Alors, on peut se faire de l'argent. Allez, mais calme-toi, toi. Alors, qui va? Paul ou moi? Calme-toi. Rena, tu sais, ma copine ne peut pas être là en ce moment. Je ne peux pas accepter ce genre de bêtises comme histoire. Tu pourras lui raconter des histoires avec des dieux, man. Calme-toi, allez, quoi. Ok, Rena, écoute-moi. Tu vois, Lady J est une cliente très riche que tu ne peux pas te permettre de la perdre. Tu comprends? Ne sois pas partial à ce sujet. Tu sais comment je suis performant. Rena. Alors laisse-moi gérer ça pour toi. Tu ne vas pas le regretter. Allô? Crois-moi. D'accord. Qu'est-ce que tu y vas? Oh! Merci, Rena, merci. Et les cantines. C'est comment, non? Allons-y. Ok, vas-y, je t'attends. Mais, hey, calme-toi. Ah! Ce gars, hein? Salut, Lady J. Je l'aime bien. Merci. Pour sûr, je sais ce que tu aimes, Lady J. Adorable, c'est juste comme ça que j'aime ça. Merci beaucoup. Mais j'espère que ma présence ne réveillera pas les mauvais souvenirs. Oh, je t'en prie. Laissons ça dans le passé. Alors, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Kesta. Joli prénom. Merci. Donc, je crois que je vais vous laisser tous les deux pour mieux faire connaissance. Ouais. Viens me voir avant de t'en aller, Kesta. Oh, sans problème, je le ferai. Non. Les tu sais quoi? Non. Très belle. Peux-tu... Oh, bien sûr. C'est oui. Wow. Oh. Tu sais quoi, c'est... Oui. Là. Qu'est-ce qui te retenait? Je suis vraiment désolé, j'ai essayé d'avoir un arrangement avec Rena. Elle a demandé qu'il fera le paiement comme d'habitude. Apparemment, tu n'as pas encore gardé assez d'argent pour pouvoir commencer ton affaire? Bien, je suis qu'un diplômé au chômage qui essaie de survivre. Es-tu vraiment heureux en faisant ça? Qu'est-ce que tu veux? Me toucher correctement, personne qui te tourne autour. Lady J, écoute, je suis partant pour l'argent. C'est le seul langage que je comprends, pour de vrai. Et si tu as une solution à ça, vas-tu arrêter?
S'il te plaît, pouvons-nous arrêter de parler de ça? Et faisons ce pourquoi on est là. Alors, à combien est-ce que tu... Ah, oh, je t'en prie. Et si on allait chez moi? Je te suis. C'est là mon bébé. Allez, avance par là. C'est ça. C'est ça. C'est la meilleure. Oh. Allez, parle. Tu sais que t'es super sexy quand tu danses comme ça. Salut les gars. Hey, bienvenue à la maison. Mon seul gars. Mon gars et mon seul gars, Erico Coco. La gentille. Je vois que vous vous amusez. Oh. Hey, rejoins-nous. On s'amuse. Non. Erico, tu peux venir avec Olivia, non? Tu peux venir avec elle. Je peux te garantir cela. Ouais. Ok. Personne ne sait ce que je traverse. Personne ne comprend ce que je traverse. Eric, nous tous on a des problèmes. Nous tous on a nos croix à porter. Je comprends, mais depuis que j'ai proposé à Olivia, ma vie est remplie des problèmes sans fin. Mais attends, pourrait-il être que j'ai fait le mauvais choix? Bien, je suis pas sûr de ça. Mais la vérité est que... se marier veut dire se préparer. L'argent que tu t'es fait couvrira tout ce dont tu auras besoin. C'est tout. J'ai été renvoyé de mon lieu de travail. Mon mariage a déjà été fixé. La mère d'Olivier est sur mon cou et je ne peux pas me permettre de la décevoir. Eric, t'as été renvoyé? Oui. C'est vraiment pas cool. Que veux-tu que je fasse? Non, je travaille pas dans une banque. Qu'est-ce que ça? Je sais que tu ne gères pas une banque, je sais cela, mais s'il te plaît, j'ai besoin d'un emploi, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça? S'il te plaît, j'ai besoin d'un emploi. Eric, je t'ai pigé. La vérité est que... Eric, écoute. La nature de mon job est trop tentante. Une fois que t'es dedans, Olivia pourrait être un flux. Eric. Bébé. Salut. Comment va Olivia? Elle va bien. J'espère que tu prépares bien ton mariage. Oh oui, il m'aide à préparer cette chose. Ouais, bien sûr. Ok, c'est bien. Bébé, tu sais quoi? Donne-moi juste quelques minutes et je serai à toi. Ok, sans problème. Kesta, s'il te plaît, tu dois m'aider à trouver une solution à cette situation. Je ne peux pas me permettre d'échouer, s'il te plaît. Reyes Club, 21h, vendredi. Attends, club. Qu'est-ce que je vais faire? Un videur ou un barman? Quelque chose d'autre mieux que ça. Crois-moi, Eric, fais-moi confiance, ok? Que devrais-je porter? Quelque chose de bien, ne sois pas trop officiel. Ok. Parce que je sais que t'adores les cravates. Souviens-toi, 21h, Renas Club, vendredi. Ok. Bien sûr, ce sera une nuit vraiment très plaisante. Et il y aura plein de jeunes hommes. Tu dois être là. Bien sûr, on se voit alors. À ce soir. Ok, il faut que j'y aille. Très bien. Oh. Salut, Rena. Mon super garçon. Comment vas-tu? Ah, je vais bien. Je suis content de te revoir. C'est également un plaisir de te voir. J'ai plein de mes amis qui viendront à la fête ce soir.
Wow, ça c'est super, tu sais que je suis toujours partant. Et lui, qui est-ce? C'est mon ami, Eric. On se connaît il y a longtemps. Tu sais quoi, Aurélia? Eric a besoin d'aide. Bonsoir, madame. Appelle-moi, Rina. Je suis Eric. Eric Jacob. Oui, il s'appelle Eric Jacob. C'est Eric Jacob. Tu sais quoi? Je crois que je vais vous laisser. Je vais vous laisser causer entre vous. Je reviens. Je reviens. Mais c'est quoi? Tout va bien chez toi. Tu vas où? Eh bien, relax. Relax, ok? Accepte tout simplement tout ce qu'elle va te demander, d'accord? Écoute, le business qui se fait ici dedans est dans le secret. Tu piges? Coucou, c'est ton temps de prier. C'est ton temps pour toi de faire du cash rapide. D'accord. Commercialise-toi, d'accord? Relax. Eric? Madame? Tu es vraiment génial et très jolie. Je saurais vraiment te rendre heureuse. Quoi? Tu es vraiment canon. Oh mon Dieu. Ah, vraiment? Le DJ. Paul. Qu'est-ce que t'as? Le DJ. T'as dit que tu voyageais pour l'Amérique la semaine dernière. Bien. Je suis plus partie. Parce que j'ai changé d'avis. Je sais ce que je fais dans cette vie. Pour le moment, on s'entend très bien. Je suis désolée, Kesta. Alors, tu sais que c'est juste un jeu. Très romantique. Je comprends. Bah, amusez-vous bien. Hé, non! Je ne peux pas faire ça. C'est ce que vous faites ici? Pourquoi est-ce que tu élèves ta voix, sérieux? N'ose plus lever ta voix là. Attends. C'est ce que Kesta et Paul font? Demande à cet animal que tu as amené pour gâcher ma journée. Pour gâcher tes bêtises. Dégage tout de suite de ma vie et je ne dois plus jamais te revoir. Eric, qu'est-ce que t'as fait? Kesta, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Pendant 7 ans, pendant 7 bonnes années, nous nous sommes battus pour étudier avec tout ce que cela nous a coûté. Nous avons servi. Nous sommes allés au nom pour servir. Tu sais que tu as traversé de l'angoisse. Tu as traversé de la douleur. Surtout de la douleur. Tu veux tout abandonner pour devenir gigolo? Ferme-la! Ferme-la! Tu sais quoi, Eric? Tu n'es qu'un ingrat. C'est ce que tu es. Un ingrat! Tu sais quoi? Toi et moi, l'amitié, c'est terminé. Kesta. Kesta! Vous êtes une honte! Mais la sorte, je ne quitte pas! Je ne vais nulle part! Sécurité! Allez, on fait foutre! Gaillard! Appelez la sécurité! Tu sais quoi, Eric? Tu n'es qu'un ingrat. C'est ce que tu es! Tu sais quoi? Toi et moi, l'amitié, c'est terminé.
Le descriptif perspicace de chaque travail révèle difficilement la collusion et les difficultés affrontées, et il faut du temps pour accomplir de grandes tâches. Quand ceux qui sont dans les besoins, qui sont retournés dans la rue, sont prêts à payer des informations que j'ai recueillies. Bien sûr qu'il y a des risques encourus, mais le contenu et une preuve visible changent tout. Eric. Oui. Notre mariage est dans 3 semaines. Et je n'ai pas encore vu un signe venant de toi. Voilà pourquoi je vais m'asseoir comme tu es assise, croiser mes bras et ne rien faire à propos. Je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Tu t'inquiètes trop, Olivia. C'est de mon futur que nous parlons là. Es-tu sérieuse? Es-tu sérieuse? Tout ce que ta mère recommande sont tous des choses très chères. Et elle s'en fout de ce qui peut y en découler. As-tu pensé pour une fois ce qui pourrait arriver après le mariage? Comment se nourrir, prendre soin des enfants et faire les choses? Tout ce qui te préoccupe sont ce que ta mère a dit. Ça, ce n'est pas la vérité. Et quelle est la vérité? Où est-elle? Hein? En tout cas, le mariage aura lieu, ok? Les préparatifs sont en cours. Quels préparatifs? Préparatifs invisibles. Faites. Préparatifs invisibles. Bonjour, monsieur Jacob. Allô? Bonjour. En quoi puis-je vous aider? Désolée de vous avoir dérangé. Je suis Nicole. Je suis là pour organiser votre mariage. En quoi puis-je t'aider? Bien, je me suis engagée dans une relation plus sérieuse. Quelque chose de plus sérieux. J'espère que vous n'êtes pas en train de monter Paul à vous épouser. Et si c'était le cas, qu'est-ce que t'as? Tu penses que je vais continuer à vivre ce genre de vie pour toujours? Alors, man, Mademoiselle J est une bonne chose pour ma table. Et maintenant, je pense à lui. C'est génial pour vous deux. Je suis content, je suis vraiment content. Écoutez, mes félicitations. Portez vos bagues de mariage. Ayez une vie de mariage heureuse. Mais je m'en fous pas mal. Que ce soit la première et la dernière fois que tu amènes ce genre de femme dans ma maison. Tu ne m'insultes pas, mon ami. Tu ne m'insultes pas. J'ai une maison et une très belle maison. Bien, super bien. C'est très beau. Maintenant, portez cette romance et toute cette escapade tout droit là-bas. Ici, c'est ma maison. C'est pas un jardin d'amour. S'il vous plaît, j'ai besoin de ma vie privée. J'en ai besoin. Qu'est-ce que t'as? Sommes-nous arrivés à ce niveau? Arrivé à quoi? Dis-moi, arrivé à quoi? Ici, c'est ma maison. Est-ce la tienne? Pourquoi me poses-tu des questions, s'il te plaît? J'ai besoin de ma vie privée. S'il te plaît. Je vous en prie. Je suis venu vous informer que le paiement de la salle a été confirmé. Et le jour du mariage, c'est... Waouh! Ça, c'est bon à savoir. Maintenant, dites-moi, quant à ce qui concerne les autres choses comme les cuisiniers, les boissons, les didiers, tout, les nourritures. Tout paiement en avance a été confirmé. Et le reste du paiement doit être fait une semaine avant le mariage. Ok, ça c'est bon. Je vais le faire avant cette date, ok? Waouh, bébé, quelle surprise! Comment tu vas faire toutes ces choses en si peu de temps? Oui, considérons cela comme mon secret personnel. Ce sont là les billets d'invitation. Exactement comme vous les avez demandés. Merci beaucoup, Nicole. Bébé, nous nous marierons bientôt! Oh, yeah. Bébé, je t'aime. Une autre surprise. Je reviens. Une surprise? Tu m'as mis ça, bébé? Oui, je sais. Oui.
pas juste à Liana. Tel que je vois les choses, je pense que Paul va me proposer. Paul, c'est un gardien. Je suis sûre que vous ferez un beau couple. Je remercie Dieu pour le genre d'homme qu'il m'a donné. Il était toujours d'un progrès à l'autre et il ne m'a jamais trompée. S'il te plaît, vas-y doucement avec lui, ok? Ok? Ok, je vais compter à partir de 5, 4, 3, 2, 1, voilà! Je suis désolé. Ça va. Demande-moi. Je dois aller prendre le miroir. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Oh mon Dieu, j'adore. Elle aimait ça. C'est vrai. J'aimerais être à sa place. Oui, exactement. C'est ainsi que c'est, Kesta. Après tout, c'est toi qui as foutu le bordel dans cette relation en premier. Apparemment, tu viens de réaliser ce que tu as perdu. Du bon sexe, l'argent et une histoire d'amour. L'amour telemundo. Ça ne me prend pas. Pour autant, c'est non. Écoutez, je ne suis sensible à aucun bondage émotionnel. Je ne suis pas intéressé. Écoutez, lisez sur mes lèvres, je ne suis pas intéressé. Paul, pour tout ce qui m'importe, tu peux avoir tout l'argent, tout le sexe, tout ce qui est beau. Je ne suis pas intéressé. Paul? Qu'est-ce que t'as? Oh mon Dieu! Donc c'est ça? Tu me trompes? Je quoi, hein? Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire, Paul? Dieu merci que vous êtes venu. J'ai conseillé ce gars. Ne t'ai-je pas conseillé? Je t'ai... Tais-toi! Ferme-la! Ferme ta gueule! Donc, c'est ce que tu fais pour vivre? Baby... Tu sais quoi? Un menteur bâtard! Comment tu peux... Qu'est-ce que t'as pris? Baby, je t'ai fidèle. Dis-lui la vérité que j'étais fidèle. J'étais fidèle, baby. Tu te tais! Tu te tais! Qui sont ces déchets? Qui appelle-tu déchets? Calmez-vous! Qui appelle-tu déchets? Ouais, c'est ça! Battez-la! Maman, ma robe est très jolie. Il a finalement décidé de bouger comme un mari. Oui, maman, il en a. Eric est l'homme qui tient toujours ses promesses. Et là, laissons-le faire ce qui est juste. Oui, tu l'as fait, maman. Merci beaucoup. Je suis très contente. Olive, écoute. J'espère que tu l'as rappelé par rapport aux pâtes de bœuf, poulet, dindon, morue séchée, les légumes. Oui, ils doivent être tous présents ce jour-là. Oh, maman. Maman. Prie d'abord pour la vie, d'accord? Je serai vivante. Je ne vais pas mourir. Amen. Tu peux voir que je suis une bonne mère. Je sais ce qui est plus meilleur pour ma fille. Ce gars, Eric mérite maintenant d'être mon beau-fils. Yeah. J'espère qu'on s'est très bien entendu. Oui. Tu as 7 jours pour pouvoir terminer le paiement. Pour que le moment venu, tout soit déjà arrangé pour toi. Oh oui, je me rappelle, ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Au fait, combien il en reste? Un demi-million de naira. 500 000? Oui. Yeah! C'est une petite somme. Je vais régler ça, t'inquiète pas. Très bien, oui. Du courage. Oui. Elle est à l'intérieur. Bye bye. 500 000.
Oui, je te suis. Je souhaite seulement que mon mari soit encore en vie. Comment puis-je être avec le mari d'une autre femme? Tu as brisé les règles, rappelle-toi. Comment? C'était censé être une partie des plaisirs. T'avais pas besoin d'impliquer les sentiments. Je ne suis qu'un être humain. Et j'ai des sentiments. Ces hommes sont attachés à leur vie privée. Tu es allé loin en rendant une visite. En tout cas, j'en ai fini avec. Je ne suis plus intéressée par ce jeu. S'il te plaît, ça ce sont mes meilleurs quarts. Je t'en prie, libère-les pour moi. Je suis sincèrement désolée. Je t'ai entendu. Je vais passer un appel. Merci, Johanna. Merci beaucoup. Mais je fais mon souci à cause de toi. Sinon, j'aurais laissé ces gars pourrir en prison pour la douleur qu'ils m'ont causée. S'il te plaît, je suis sincèrement désolée. Allô, inspecteur. S'il te plaît, relâche ces garçons. Merci. Ça va aller. Pour moi, je ne retournerai plus jamais à cet endroit. J'ai été vraiment embarrassé. Bref. Je pense que moi, c'est une nouvelle vie. Ah. Ouais. Avec l'argent que je me suis fait, je vais entrer dans les affaires. La mode, peut-être. Alors, qu'en est-il de vos filles? C'est comme ça. C'est comme ça avec les meufs. Mais ça va, c'est bon. Ça va. Ok. Wayne, je suppose que toutes les filles ne pardonnent pas comme Olivia. Ah, Oui. Ça me revient. Ton mariage est dans les jours qui suivent. Oh oui. C'est quoi le plan? Le plan est que tout est réglé. Frère, crois-moi. Ça va être une bombe. As-tu braqué une banque ou autre chose? Les gars, écoutez, franchement parlant, ok? Vous êtes mes amis. Nous venons de très loin. J'ai besoin d'aide. Je suis coincé. Eric, j'espère qu'il ne s'agit pas d'argent parce que je suis paumé. Pourquoi tout le moment quand je viens vers toi, c'est ta phrase préférée? Tu es fauché. Man, c'est la vérité. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Les gars, s'il vous plaît. Je veux arrêter de mener cette vie. Je vais faire chemin avec vous maintenant. Je veux adhérer à votre clique. Eric, mais tu dis que tu as suivi ce que j'ai dit. Je ne voudrais pas te demander, tu comprends? Alors, répète-toi s'il te plaît, quand je suis sorti de ta bouche. Écoute-moi, je sais que j'ai fait du désordre la dernière fois, mais à présent, je suis prêt à prendre le taureau par les cornes. Bonne décision, mauvais timing. Eric, on en a fini avec ce genre de travail. Que tu dis par vous avez fini avec un tel travail? Que vous me dites, écoutez, juste une fois je m'arrête, s'il vous plaît. Eric, as-tu suivi ce que nous t'avons dit? Ok, moi personnellement, je suis fatigué. J'en ai fini avec ce genre de travail. Je ne serai plus jamais esclave d'argent ou d'une femme. Je voudrais poursuivre mes rêves. Écoutez, c'est sans retour mon frère, c'est sans retour. Je souhaite vraiment t'aider. Je souhaite vraiment t'aider. Pareil pour moi, bro. Je suis désolé. Vous êtes sérieux? Pour la toute première fois que j'ai besoin de votre aide, vous me faites dos. Les gars, Kesta, Paul. Ah, j'ai besoin d'un homme ce soir. J'ai beaucoup entendu parler de cet endroit. Je suis désolée, Madame Kay. Mais nous ne faisons plus ce genre de business. Maintenant, c'est uniquement les fêtes, les beuveries et on savoure la vie. Tu sais dans quel genre de mode je suis. L'argent n'est pas mon problème. Je dépense de l'argent avec amour. Aujourd'hui, cette nuit, tout l'argent sur moi, j'aimerais le dépenser en amour pour un très beau jeune homme.
t'entends. Alors qu'est-ce que tu dis? Vas-tu trouver un homme disponible pour moi ce soir? Je suis disponible. Eric? Bébé? Eric? 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 Devine qui est là? Salut, bébé. Allô? C'est comment tu es où? Je suis à la maison. Je suis quelque part. Quelque part? Ouais. Je suis quelque part dans le quartier. Je ne suis pas loin de la maison. Je serai bientôt là, ok? Ok, toute la maison un des autres. Il y a les choses partout là. Bref, je t'ai apporté quelque chose à manger. Alors, voudrais-tu que je te l'apporte là où tu es? Non. Je ne pense pas que cela soit une bonne idée. Pourquoi pas? Quand est-ce que tu rentres? Bébé, je serai bientôt à la maison, ok? Je serai très bientôt à la maison, je te promets, ok? D'accord. Pas de problème, tu viens juste de gâcher la joie que je voulais avoir. Quelque part. Je ne sais même pas ce que tu fais là-bas. Ça. Dieu, cette femme est assez âgée pour être ma mère. Non, l'agent, pourquoi est-il si difficile de l'obtenir sans le prix, hein? Que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire? Kesta, je suis désolé de t'appeler Sita, ok? Non, tout va. Ouais, tout va bien. Oui, c'est à propos d'Olivia. Je veux que tu me rendes un service. Oui, s'il te plaît, va dans ma chambre. Reste avec elle. C'est ce qui s'est passé après ton coup de fil. Nous sommes toujours là l'un pour l'autre, Olivia. Cela est arrivé à cause de la pression. Hein? La pression était tellement sur moi. En fait, je commence pas à me douter de moi-même. La douleur, l'angoisse et tous les sacrifices que je dois faire pour être avec toi. La femme que j'aime. Pardon, Olivia. Ce monde ne me sourit pas du tout. Non. À ce niveau, je peux comprendre si tu ne veux plus continuer. Peut-être j'ai emprunté la mauvaise voie. Mais maintenant, je te jure sur ma vie que je me fiche d'aucune autre personne. Juste nous. Toi et moi. Concernant ta mère, la femme qui m'accepte pour ce que je suis et attend mon heure de sonner. Je t'aime, Olivia. Et je t'aimerai toujours. S'il te plaît. Eric,
Eric, ce n'est pas ce que j'ai planifié. Je ne mérite pas ça. Je sais. S'il te plaît. Je ne te laisserai jamais partir. Je t'aime et je vais me battre jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Avec le dernier souffle dans mon système, je vais me battre pour toi. Olivia, s'il te plaît. S'il te plaît. Eric, lève-toi. Tu es vraiment un homme. Nicole, qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, Eric. Ok. Je suis désolée, Eric. En fait, c'était l'idée de ma mère. Elle m'a supplié de le faire. C'est juste un test, ma fille. Voyons voir à quel point il pourra arriver pour nous prouver qu'il t'aime vraiment. Je ne peux pas le décevoir, maman. Je l'aime beaucoup. Pourquoi ne peux-tu pas l'accepter tel qu'il est? S'il te plaît. Je l'ai déjà accepté. Mais je voudrais juste me rassurer qu'il n'est pas un escroc. Qui voudrait juste profiter de toi. Parce que il sera bientôt à la possession de tout ce que ton père a légué. Et nous ne voulons pas quelqu'un d'incrédible, n'est-ce pas? Maman, que voudrais-tu que je fasse? Juste joue ton rôle. Et rassure-toi qu'il n'échappe à ta vie. Ça va aller. En effet, j'ai conclu avec elle que je paierai le reste. Et alors, tous les deux, vous pourrez avoir votre beau futur ensemble. Oh, merci, maman. Et non seulement ça, j'ai décidé de vous donner 10 millions de naira pour mettre sur pied une affaire de votre propre choix. Et tous les deux pourraient avoir votre lune de miel aux États-Unis. Est-ce que j'ai raison, Nico? Absolument, madame. Merci, maman. Oh, je suis tellement... Oh, les mots me manquent. Je suis si reconnaissant, madame. Oh, ça va, mon cher. Ça va, ça va. Oui! Oui! Oui!